Hey les gens, c'est Batoubatou, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur Batman Arkham Knight, où une belle vidéo s'annonce, car c'est la suite de l'histoire de Batman Arkham Knight, où on s'était arrêté, je ne sais plus. Ça fait tellement de temps que j'ai pu jouer à Batman Arkham Knight, même en vidéo, hein. De toute façon, j'avance avec vous, donc je n'ai même pas joué entre deux. Pour vous dire à tel point on est. Ah si, je m'en souviens, on était dans le machin de du pingouin. Voilà. Je m'en souviens de ça. C'est bon, je m'en souviens. Ah là là. Ça nous rappelle tellement de trucs. Je m'en souviens, ouais, effectivement, on était dans le truc du pingouin, ouais. Alors, on doit aller où là? Niveau supérieur en plus. Alors, on va faire avec la Batmobile. La Batmobile. Voiture bélier, c'est excellent ça. Ensuite, ouais, recharge de muscles, munitions, on s'en branle. On va améliorer autre chose, on va améliorer les gadgets. Balles fumigènes, durée, on s'en branle. Brouilleur, sabotage des soins. Ah ouais, ça c'est pas mal. Sabotage du commande du drone Boa. Gel explosif, élimination instantanée, c'est quoi ça? Attendez. Oh, pas mal! Mais non. On va faire ça. Sabotage des soins. Et il en reste un, on va faire ça du coup. Ok, on est bien. On est bien, on est bien. Trouver. Être traqué dans le stag machin là. Ah, c'est là. C'était là, là. Ok, yeah. On est y part. Monsieur, le dirigeable de Stag a été attaché. On le ramène vers nous. Yeah, allez-y. Trouvez Stag et interrogez-le. Lieutenant, il vous attribue une unité en plus pour la protection. En plus, avec la Batmobile, on pourra pas passer donc. Le chef veut monter à bord. Parce que normalement on pourra pas passer dans. Je vais trouver Batman, le train est hors de son tango, sa bagnole ou son truc blindé personnel là, et je vais le tabasser à mort. Tu vas rien faire du tout, cochon. Ok, on est bien dès là. On est bien dès là. Oh, il y a la dose de tank, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, on va pas y arriver. La dose de drone et tout, bah ouais, vous avez raison. Attendez. Ok, il y a la dose de tank ici. Il y a la dose de tank tout court. Ok. Pas. C'est long, hein. Il est loin ce putain de machin là. Ok, parfait. Ok, on est dessus. La milice s'est emparée du dirigeable de Stag et a établi une tour de guet munie de tourelles. Elle semble être contrôlée depuis ce poste de commande centrale. Je dois le neutraliser. Ce soldat est muni d'un appareil qui peut tracer le système du mode détection. Si je l'utilise trop longtemps, il me localisera et alertera les autres. Ok. T'aurais dû voir la tronche qu'a tiré Stag quand on l'a arbolé. Ouais, je parie qu'il se croyait en sécurité dans son dirigeable. Non mais quelle idée de voler dans un dirigeable, dans le genre cible facile. Qu'est-ce qu'il fait faire à Gotham en plus? Il savait ce qui se passait. Toute la ville le savait. Il a dû voir un intérêt à rester dans le coin. Encore un de ces parasites pourris de pognon.
Ok, ils sont là. Je capte un signal là. Il y a du bruit partout. J'essaie de verrouiller. Signal perdu. Bordel. Bon bah ça c'est fait. Je peux pas t'aider. Il n'en reste plus qu'un. Vas-y, on est allé vite hein. On appelle ça efficacité. Bien, je me suis débarrassé de la milice. Maintenant, je dois désactiver la tour. Parfait, ça. On est ok. Je suis près des dirigeables. Qu'avez-vous trouvé ? Eh bien, selon les plans d'origine du vaisseau, une trappe de service devrait être accessible sur le dessus de l'appareil. Il semblerait que Monsieur Stack protège farouchement ses recherches. La sécurité doit être très élevée. Merci, Alfred. Où en est le dispositif de piratage à distance ? Je vais bientôt en avoir besoin, Lucius. L'intuition devrait faire partie des prérequis pour ce travail, Monsieur Wayne. Je charge le logiciel de décryptage sur le dispositif dans le coffre du Wayne International Plaza. Vous pouvez le récupérer de là-bas. Ok. C'est où? Ok. Nickel ça. On va être plus vite que l'éclair en fait. Wow 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 wow, Lucius là. Tu nous arnaques pas là. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Et oh wow wow. On n'est pas là. Ah si, c'est là. Ok, j'ai rien dit. Parfait. Il y a une écoutille de service en haut du dirigeable. Je peux utiliser le dispositif de piratage pour entrer. Je sais pourquoi tu restes en altitude, Batou. Ça te laisse le temps de faire le point sur les grandes questions genre « Est-ce qu'Oracle est morte ? Est-ce que c'est ma faute ? Qui sera le prochain à mourir ?» Allez, en avant, on veut des réponses. L'écoutille est verrouillée de l'intérieur. Si je trouve le panneau de contrôle, je pourrai forcer la sécurité grâce au dispositif de piratage à distance. Oh, trop simple. Là. Le
logiciel embarqué permet de viser avec un drone jusqu'à 3 cibles. 3 ? Je croyais qu'on s'occupait de Batman. Exact. Les deux autres, c'est du bonus. Maintenant, à dire. Oh. Hey, tu fais quoi ? Juste une petite démonstration. Comme tu peux le voir... Ces soldats utilisent un drone automatisé. Si j'arrive à pirater la télécommande du garde et à télécharger les codes, je pourrais retourner le drone contre eux. Fier comme un allié. Non, tu risques rien. Par contre... Je devrais viser le soldat qui est aux commandes du drone. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas ? Tu cours te mettre à coup. Maintenant que j'ai les codes, je vais pouvoir retourner le drone contre eux. C'est pas un truc à... Y a pas un séquenceur là? Voilà, voilà, c'est... Protéines, facile. Je vois que vous avez réussi à entrer, monsieur. Avez-vous trouvé monsieur Stagg? Pas encore. Le chevalier d'Arkham et les hommes de l'épouvantail ont tué tout le monde sur leur passage. Ils ne sont sûrement pas là par hasard. Que mijotent-ils ? Barbara est notre priorité. Je m'occuperai d'eux quand elle sera sauvée. Mais, monsieur, vous pouvez mettre fin à tout ça dès maintenant. Capturez l'épouvantail et vous sauverez la ville entière. C'est ce que Mademoiselle Gordon aurait voulu. Je ne perdrai personne d'autre, Alfred. Maintenant, je devrais pouvoir contrôler complètement le système de stabilisation du dirigeable. Par contre, le dispositif de piratage ne fonctionnera qu'à portée d'un terminal de contrôle. Truc là de... Ah mais si. Voilà, le machin de l'homme mystère, c'est bien ce que je pensais. Ok, parfait. Je suis l'homme mystère. On ne m'enfonce pas, précisément. Alors, résume mes énigmes, si tu veux. Elles seront très importantes plus tard. Comment on fait pour les pousser eux ? Ah non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, tout est clair maintenant.
Mais tout est plus clair en fait. Non, c'est faux. Alors, ensuite, on va par là. Attendez. Ici, on fait ça. Et que maintenant, on fait ça. Et qu'on fait ça. Voilà, mais je suis un génie en fait. Je suis le génie. Oh, ça, ça sent le Battleground. Ah non. Ah si. Lui. Ça fait longtemps que j'attends une occasion, Batman. Comme ça, ça s'est fait. Ça. Mais c'est ça. Non, passe par où alors? Bah, c'est par là qu'on passe. Ah, c'est par là? Merde, c'est par où là qu'on passe? Merde. Mais non, c'est le seul moyen que je vois. Oh, fais chier. Ah bah voilà, c'est bien ce que je me disais. De plus en plus simple, hein, ces mots de passe. Ces soldats tiennent Stag. Ouh. Et vu son état, il n'en a plus pour longtemps. Je dois le sauver. Il n'en a plus beaucoup, là. Où sont les fichiers? Je ne vous dirai rien. Tu veux qu'on te coupe les doigts? Pas de problème. On va commencer par là, et voir jusqu'où on peut remonter avant que tu craches le morceau. Pitié. On finira par les trouver, tu sais. Il est sorti de nulle part. Laissez. Allez, viens là, toi. Pouh! Oh là 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 là, mais quelle puissance! Batman! Dieu merci, vous êtes là! Êtes-vous sûr que tous ces hommes sont... Merci.
Ils allaient me faire la peau. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais rien. Ces brutes ont juste débarqué et ouvert le feu. Ils voulaient récupérer ces cylindres. Des générateurs Nimbus. Une cellule énergétique entièrement propre sur laquelle on travaille. Où est l'épouvantail? Sur le deuxième dirigeable. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui? Oh, vous pensez à Barbara Gordon? On sait tous les deux qu'elle est sûrement morte. Pas vrai, Button? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils se relèvent tous? Je suis mort. On l'amène à Arc 2, terminé. Batman! Non! La ferme! C'est le poison du vieux. Enfin. C'est la dernière fois que tu le vois. Oui, si, si, c'est ça, c'est le poison du. Je devrais chercher un autre terminal de stabilité à pirater dans la zone. Molécule. Macromolécule, voilà. Ah, oh, sale chien. Ils ont emmené Stack voir l'épouvantail sur le deuxième dirigeable, mais il est protégé par des tourelles. Un petit instant, monsieur. Bien. Les plans indiquent qu'un terminal de sécurité se trouve dans le laboratoire de recherche à l'arrière du vaisseau. Il devrait vous permettre de désactiver les tourelles. Pas tout bien compris, là. Ceci, là? Ces points d'accès réagissent à la voix de Stack et à aucune autre. Ça là. Presque, Patou. Je t'ai presque senti perdre le contrôle. Encore un peu de ce délicieux gaz de terreur et tout sera fini. Pour voilà, toi. C'était le gaz, oui, d'accord. Passe par où là? Je me souviens plus du tout là. Ah mais merde, c'est où? Oh c'est là. Par là, je vois pas d'autre chemin. Un truc avec ça là.
C'est que c'est compliqué à comprendre. Voilà, si. Tu croyais m'avoir arrêté à Ice Chemicals, Batman? Tu n'as fait que retarder l'inévitable. Gotham est à moi et j'en disposerai comme je veux. Dire la même chose de tes amis. Pauvre petite Barbara Gordon. Ferme les yeux, est-ce que tu la vois? Recroquevillé dans le noir, maudissant le héros qui l'a abandonné. Elle est devenue ton point faible, ton obsession. Elle te fait sombrer de plus en plus vers les abysses. Je pourrais ordonner son exécution. Tout de suite, ce serait cruel, sadique, brutal. Mais à la place, je pourrais servir autre chose à vous deux. Y'a quoi ici? Rien, putain de merde. Ah mais je vais me faire écraser là par contre. Alors, pour info, toi tu vas pas bouger, hein? Je devrais m'éloigner des containers avant de faire basculer le dirigeable. Je devrais m'éloigner des containers avant de faire basculer le dirigeable. C'est un loupé de ma part. Et si c'est lui qu'on faisait pas bouger, et lui on le fait bouger, ça donne quoi? Ma! C'est perfect! Ah merde, c'était juste pour un trophée de merde. C'était juste pour un trophée. Oh, fut de casse-couille. Super chiant. C'était des chiants ce niveau. Hein. Je piche que dalle. Non mais si j'ai bloqué celui-là. Tu bouges pas. Toi tu as bougé et qu'on fait ça. Ok. On fait ça et qu'on fait ça. Oh, ah non! Merde! Ah, j'avais un truc là, je tenais un truc. Attendez. Ok. Merde! Tenez un truc là. Bon, déjà lui, on va faire un truc. Toi, tu viens là, tu la fermes. Hop. Tu la fermes. Ok.
Ensuite, c'est eux qui sont casse-pieds là. Toi, tu bouges pas. C'est lui qui m'a me casser les couilles. Hein. Merde. Oh oui, attendez. Tu bouges plus. Ok. Non, pas de ça dedans. Ok. Putain, je l'avais. Glycolipide. Voilà, on est bon. Super. Putain, c'est long. Écoute, à propos de ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas toi que j'essayais de tuer. J'en avais un prêtre esprit. Alors, toujours ami. Oui, ami pour la vie. Et puis c'est pas ma faute, c'est celle de l'épouvantail, avec sa potion miracle jokerifiante. Monsieur, vous êtes un passager clandestin, trouvez-le. Aucune chance, notre âme serait pas assez bête pour essayer de monter jusqu'ici, on est dans un dirigeable. S'il entre ici, il est mort. Surtout ne vous emballez pas, vous n'êtes rien à côté de lui. Servez-vous de ce drôle. Tant mieux, connard. Il est de ce côté. Il a cru qu'il allait me baiser comme ça. Installation de tourelle.
Voilà. Maintenant que la voie est libre, je peux utiliser cette console pour désactiver les défenses du dirigeable. Il doit y avoir un autre terminal de stabilité à pirater dans le coin. Mais allez, à vous. C'est grâce à la nouvelle tenue, hein. Le héros à l'intérieur est usé. Un scanner limite l'accès au système d'armement uniquement aux empreintes digitales de Stag. Sans ces empreintes au complet, je ne pourrai pas entrer. Les caméras de vidéosurveillance me seront peut-être utiles. Je devrais analyser la vidéo pour voir si les mains de Stag ont touché quelque chose pendant l'enlèvement. De là, je pourrais peut-être reconstituer ces empreintes. Il n'y a rien ici. Je dois trouver des surfaces qu'il a touchées pendant son enlèvement. Stag doit avoir laissé une empreinte au sol, ici. Je devrais examiner d'autres endroits qu'il a touchés. J'aurai plus de chances de trouver la totalité de ses empreintes. Ça ne suffit pas. Je dois absolument trouver des endroits où Stag a pu laisser des empreintes. Il a touché le sol après être tombé dans les escaliers. Je dois chercher d'autres empreintes. Il ne laisse aucune empreinte sur ce plan. J'ai besoin d'une image de Stag touchant certains endroits de la pièce. Il a touché cette rampe quand il s'est redressé. Il me faut plus d'empreintes pour finir la reconstitution. Stag a laissé une empreinte, près de la sortie de la pièce. Je sais où Stag a laissé ses empreintes. Je n'ai plus qu'à scanner ses emplacements. Alors, c'est quoi le plan ? J'ai une empreinte d'index juste ici. Encore 3 lieux à analyser. Oh, en parlant de toute petite miette, je me demande comment va Barbara. J'ai réussi à reconstituer l'empreinte du majeur de Stag. Encore 2 points à analyser. J'ai terminé la reconstruction de l'empreinte du pouce de Stag. Il reste encore une zone. J'ai toutes les empreintes. Je devrais pouvoir accéder au système informatique de Stag maintenant. Tu vas utiliser la construction des empreintes de Staggy pour accéder à l'ordinateur ? Oh, quelle idée brillante, Batou ! Oh, dis donc, juste après, on pirate son compte sur rancard.com ? Je ne peux pas désactiver les tourelles de l'autre dirigeable à distance, mais je peux contrôler les tourelles de celui-ci. Les armes ne sont plus un problème. Passons à l'épouvantail. Monsieur, concernant l'identité de ce fameux chevalier d'Arkham... Qu'avez-vous trouvé ? Rien, monsieur. Parmi les anciens détenus d'Arkham City qui ont disparu dans l'évacuation, aucun ne correspond au profil. Il faut élargir. Quand le Joker a pris Arkham, des dizaines de détenus se sont enfuis. Cherchez des hommes jeunes avec un vécu militaire. Je télécharge les fichiers, monsieur. Merci, Alfred. Bien. Stérol, ok. Plus compliqué ces mots-là.
Putain, ils ont rajouté du monde. Qu'est-ce que tu m'as fait, bordel? C'est pour t'aider, idiot. Maintenant, celui qui te touche, il se prend 1000 volts. Les tenues de combat de la milice peuvent libérer une charge électrique temporaire. Je ne peux pas les frapper tant que c'est le cas. Les médecins. Faut neutraliser les médecins avant. Salaud. Oh, stylé cette scène là. Au ralenti, c'était vraiment stylé. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Wayne, mais une autre amélioration pour la voiture est disponible si vous êtes intéressé. L'impulsion. Excellent choix, monsieur. Rien de mieux qu'une petite explosion électromagnétique pour se dégager un peu d'espace. Pas d'inquiétude, la Batmobile ne craint rien. Très bien. Merci, monsieur. Oh, les salauds, ils ont renforcé le code. Ah non, c'est le même. Macromolécule. Voilà. On est bon. Tyrolienne. Putain, pas de tyrolienne. Plus personne. C'est quoi ces faiblards là? Bon, on va devoir faire avec le mur. Stagg a manqué à son devoir qui consistait à garder le déluge chargé et prêt pour l'opération. Nous allons devoir nous en occuper nous-mêmes. Je veux des hommes au laboratoire de recherche pour transporter les cellules d'énergie et charger le dispositif. Et je veux encore plus d'hommes pour les défendre. Ne me décevez pas. Voilà. Pourquoi il y a un trophée ici là? Ah oui, il est là. Je peux rien faire, hein. Je vois pas ce que je peux faire. Oh, toutes les portes sont fermées ou quoi? C'est une blague? Oh, j'aime pas passer par lui. C'est quoi si on passe par le mur là? Y'a quoi de l'autre côté?
Mais c'est qu'il y a un trophée. Il les cache très mal ces trophées, l'homme mystère. Hein. Oh merde! J'avais pas vu ça. Ok, c'est bon, j'ai. Non, c'est pas ça. Bah non en fait. Pourquoi on peut pas? Faut que je revoie ça de plus près. Pourquoi je ne peux passer par là? Il va commencer à me les prendre. Ah, y'a compris. Il me semble que j'ai compris. Bah oui, mais il va être bloqué aussi. Ils sont un peu cons ceux-là. Attendez, je vais faire un test. Bon, ça me prend la tête. Allez, bye. Je fais comment là pour la voir? En fait, nous avons été contraints d'attacher le patient, n'est-ce pas, monsieur Huxley? Je vais t'en sauter. La toxine de terreur peut présenter un danger pour vous et vos proches. Une exposition prolongée à la toxine de terreur peut provoquer de violents traumatismes psychiques. Ces spots publicitaires sont de mieux en mieux fichus. Alfred, Stagg et l'épouvantail collaboraient sur un projet portant le nom de Code Déluge. Mais dans ce cas, monsieur, pourquoi l'épouvantail attaque-t-il Stagg? Stagg a dû essayer de le doubler. Il veut le dispositif. Je vous débloque l'accès au réseau informatique de Stagg. Cherchez ce que vous pouvez trouver sur le déluge.
Je veux savoir ce que c'est. Entendu, monsieur. Batman ne pourra pas nous stopper. Mais t'as pas pu t'empêcher de trahir l'épouvantail encore un peu plus. Écoutez, je regrette. Je suis vraiment désolé. Oh non, tu l'es pas encore. Quand la toxine de l'épouvantail remplira ta cellule, par contre là, oui, tu le seras. Oh pitié, non. J'ai vu ce que cette chose faisait. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en neutralisant la mitrailleuse, je risque d'attirer l'attention. Je devrais m'en occuper en dernier. Très bien, messieurs. Il faut qu'on charge le déluge et qu'on empêche Batman d'atteindre le boss. Manquez un seul de ses objectifs, et je veillerai en personne à ce que vous preniez un grand vol de gaz avec Stagg, compris ? C'est bon. Batman est ici, ne le laissez pas passer. L'épouvantail doit finir son travail. Je sois loué. Aidez-moi, ils vont me tuer. On vous avait prévenu, messieurs. Batman est là. Montrez-lui ce que vous savez faire. Je veux deux équipes. Équipe 1, continuez à charger le déluge. Équipe 2, trouvez-le. Servir de mon meilleur ami. Continue quoi. Je vais miner un
ne peux pas neutraliser l'homme à la mitrailleuse silencieusement. Je devrais l'achever avec une série de coups. Ça c'est fait. Attendez, je cherche où est-ce que je pourrais en fait désactiver son machin de merde. Là. Il y a quelqu'un, faites-moi sortir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est de la merde, c'est une cellule d'élan d'énergie. Batman, vous allez m'aider, pas vrai? Vous devez me faire sortir d'ici. Ils sont cinglés. Oh, quel a. Vous m'avez menti. C'est votre dernière chance, Stagg. La dernière. Bon, d'accord. Écoutez, l'épouvantail m'a contacté. Il avait besoin de mon aide pour le déluge. À quoi il sert? Oh non. Non, 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 non. Les laissez pas me toucher. Ce foutu déluge, Stagg. Dites-moi à quoi il sert. Je ne sais pas. J'en ai partout sur la peau. Ah, ils sont en train de me grimper sur le visage. Ah, je devrais vous abandonner à vos cauchemars. Ok, c'est maintenant le moment qu'on attendait tous les deux. L'épouvantail est en bas. Veux-tu l'arrêter et sauver Oracle? Ou vais-je encore profiter de ce gaz délicieux pendant qu'elle meurt sous tes yeux impuissants? Comment on décide? Approchez, approchez! Venez jouer à trouver le véritable épouvantail. Alors, où est... Non! Bateau. Dans tous les cas, il m'aurait fait une. Tu n'es pas en train de mourir. C'est juste une impression. Ma toxine remplit tes poumons. Elle te noie dans tes plus grandes peurs. Qu'est-ce que tu vois ? Une ville qui a sombré dans la terreur? La trahison de ceux en qui tu as le plus confiance? Tes secrets les plus sombres révélés? Gotham regardera pendant que je mettrai en pièces ton esprit. J'arracherai ce masque de ton visage et le monde entier verra la peur dans tes yeux. Alors, ils comprendront, eux aussi. Non, il n'y a pas de sauveur. Plus d'espoir. Plus de Batman. C'est peut-être... déjà le cas. Quoi? Regardez-moi. Je déchire grave. Et ce corps, il est balèze. C'est incroyable. Debout, à toi. Extraordinaire. Quelle brutalité.
Regarde-le. Il ne vaut pas mieux que le pauvre type qui a tué ton gars. Tu dois faire quelque chose. Tu dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter. Il y a des scènes où je me souviens de plus rien du tout. Ce n'est plus pareil. Tu es spécial. À ce stade, je dirais qu'il est encore en chantier. Mais c'est vrai qu'il y a du potentiel. C'est fini. Inutile de courir. Je n'ai jamais dit que j'allais courir. Oh, le salaud. Bah 2 secondes. Monsieur, l'épouvantail diffuse un message dans toute la ville. Il faut que vous voyez ça. Qu'est-ce que ça fait de voir ta ville sur le point de sombrer et tes amis sur le point de mourir? Cette fois, tu as atteint tes propres limites, Batman, et ton échec sera bientôt incontestable. Quand la dernière étincelle de vie quittera son corps inerte, elle saura que c'est toi le seul responsable de son malheur. Alfred, il a emmené Oracle dans son repère, à Chinatown. Je suis en route. Faites vite, monsieur, je vous en prie. Qui sait ce qu'il va lui faire? Allez, on est parti. Direction Chinatown. Quand le déluge se déclenchera, les pillards regretteront de ne pas être partis. On y est presque. Gaz, ça sert à rien. La toxine est trop puissante. Non, là. Quoi? On arrive le plus vite possible et Crane l'a déjà tué? Oh, il a pas le sens du spectacle. Pour tronche de sac. Oh, voilà la toxine. Je peux presque la sentir. Qu'est-ce qui se passe? Baba! Oui, tu la vois maintenant. L'horreur derrière la glace. Le monstre qui causera ta perte. À moins que tu prennes cette arme et que tu l'arrêtes. N'écoutez pas! C'est moi! Votre ami! Tu ne mourras pas! Je ne te laisserai pas faire! Tu apporteras la mort à tous ceux qui te soutiennent. Monsieur, qu'y a-t-il? C'est fini, Alfred. Comment ça? Barbara. L'épouvantail voulait me punir. Il l'a tué. Non! Seigneur! Monsieur, restons concentrés. Pour les habitants de Gotham. J'aurais dû la protéger, Alfred. Elle est morte à cause de moi. Monsieur,
Écoutez-moi. Les fichiers de Stagg ont révélé le rôle du fameux déluge. C'est un engin de dispersion. Vous ne voyez donc pas ? L'épouvantail a les moyens de répandre sa toxine de peur sur la ville entière. Vous l'avez empêché de la rendre opérationnelle, mais ce n'est qu'une question de temps. Monsieur, m'entendez-vous ? Il a entendu. Il se demande comment il peut encore se supporter. Maître Bruce, la mort de Mademoiselle Gordon... Oh, il ne faut pas que ce soit en vain. Tu ne peux pas la ramener. Laisse ton Tangi prendre le relais. Plus de mauvais souvenirs, plus de chagrin, plus de peur. Parole de scout. Ivy. Oh non. Monsieur. Alfred, faites une analyse satellite de la ville. Tenez-moi au courant dès que vous aurez repéré le déluge. Bien sûr, monsieur. Où comptez-vous aller ? Au GCPD. Ivy était immunisée contre les effets de la toxine. Vous pensez qu'elle vous aidera ? Disons qu'elle n'a pas le choix. Écoutez les amis, c'est sur cette scène où nous allons nous arrêter, où nous allons bientôt rejoindre du coup dans le prochain épisode Ivy, Poison Ivy, que l'on va retrouver dans le prochain épisode. Mais pour l'instant, cet épisode est donc terminé. Je vais quitter. Hop là. On a bien avancé, je trouve. Écoutez, moi j'ai bien aimé faire cette petite vidéo. Encore un petit peu longue, je le sais bien. Mais sinon, on n'avancera jamais. Hein. Vous avez vu, on était à 20%, on est seulement à 23%. Donc on avance petit à petit. Et comme le dit l'expression, petit à petit, l'oiseau fait son œil. Donc, moi je vous laisse sur cette expression. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte Twitter, ma chaîne Twitch et mon compte TikTok, vous retrouverez dans la description. Et moi je vous dis, eh bien, à une prochaine vidéo. Allez.